Isabelle, je ne sais pas si tu m'entends. Allô, Allô? je t'entends. Ah Oui, je oui, t'entends ça. Oui. excellent. Écoute, on est à peu près, on est 15 personnes sur Zoom et on est 25 sur Facebook. Je vois qu'il est important qu'on démarre là pour respecter un petit peu les personnes qui sont à temps. Écoute, je vous donne la main si vous voulez. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Simon. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre ou là. Si, parfaitement. OK. Donc, je pense juste d'abord, je voulais remercier le club des dirigeants pour l'invitation. Donc, on va dire, à la troisième formation sur des sujets relatifs à la transformation digitale. Donc, on avait commencé par une formation sur l'intelligence artificielle. On a fait une deuxième sur la transformation digitale et cette troisième qui est plutôt axée sur le sujet du big data. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre correctement ou pas. Est-ce que il n'y a pas de Oui, souci de son? Très bien. non, il n'y a pas de souci de temps, non. Parfait. OK. Donc, alors, je voulais juste peut-être prendre 5 minutes, si vous permettez, au début, juste pour rappeler un peu, on va dire quelque part, ce qu'on avait vu lors de la dernière formation. Donc, il y avait juste quelques points à rappeler sur les aspects des piliers technologiques ou des ruptures technologiques qui sont amenées par la transformation digitale. Donc, si vous vous rappelez, on avait identifié, on va dire, un certain nombre de ruptures technologiques. Et on avait dit qu'il y avait des sujets qui sont, on va dire, d'ordre acquisition ou qui permettent d'améliorer l'acquisition de la donnée et qui sont en même temps centrés sur le client. Donc, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est mobilité et potentiellement cloud. Et il y a des sujets qui sont des sujets d'analyse et d'intelligence. Et c'est là où on a mis en fait la partie intelligence artificielle et big data. Et après, bon, il y a des sujets qui sont des sujets plutôt d'augmentation de capacité. Et à la fin, il y a des sujets qui sont des sujets de confiance numérique, notamment sur la biométrie et la blockchain. Donc, voilà un peu les grandes, on va dire, technologies qu'on avait un peu abordées. Je voulais peut-être juste, voilà, donc on avait parlé de ça aussi en disant qu'il faut qu'on soit mobile, donc connecté avec, quand je dis mobile, ça veut dire que ça inclut le mobile, l'IoT et le cloud, qu'on soit analytical, donc plus intelligent, agile, donc il faut aller rapidement, et qu'on soit social, donc on intègre tout ce qui est réseaux sociaux et autres. Et donc justement, on avait réparti ces technologies en quatre grandes catégories, donc tout ce qui est digitation des produits et services, tout ce qui est digitalisation d'expérience client, des opérations et de l'organisation. Donc, je vais pas m'attarder sur ça, mais par contre, je voulais juste terminer sur un sujet qui est relatif à la partie matière grise. Donc, si vous vous rappelez, on avait parlé d'un certain nombre de nouveaux paradigmes dans l'économie qui sont en train de s'intégrer, tout ce qui est relatif à la gig economy, à la sharing economy, à la collaborative economy, donc l'économie de collaboration. On-demand economy, donc l'économie à la demande, la peer economy, l'économie peer-to-peer, etc. Et tous ces paradigmes font naître de nouveaux métiers et de nouveaux besoins en termes de compétences. Et bon, on parle de manière générale de génération digitale qui sont d'un côté nos collaborateurs, qui sont nos clients, qui sont nos citoyens. Et donc, cette génération, elle doit être décrite de manière claire et avec derrière des besoins qui sont très très adapté. Et bien sûr, tout ça va avoir un impact, parce que c'est un sujet qui a été évoqué de manière assez forte lors des dernières sessions, et ça va avoir un impact fondamental sur l'éducation de demain et sur la manière avec laquelle on fait la formation. Et je pense qu'on avait échangé sur ça, et c'est juste pour rappeler que je pense que l'école telle qu'elle est aujourd'hui, enfin l'école de masse, qui est aujourd'hui le modèle d'école qui existe dans la plupart des pays, qui a été construite lors de la première révolution industrielle, il va certainement disparaître, ou en tout cas on va dire, revenir en arrière, contre à de nouveaux modèles de formation qui sont des modèles beaucoup plus innovants et qui axent la formation moins sur la connaissance que sur la compétence et le mindset. Bon, ça, j'avais partagé avec vous les top skills. Je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, je vais partir maintenant sur le sujet Big Data. Alors, je ne sais pas quel est le niveau de technicité sur lequel on peut aller, mais est-ce que. Bon, on va essayer de voir comment on peut rester, on va dire,
comme on peut rentrer dans les détails sans forcément rentrer dans des considérations très, très techniques. Alors, déjà, la notion de big data, il faut savoir que, avant de parler de big data, il y a d'abord la notion de data. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une révolution qui est une révolution de la donnée. On commence à parler aussi de société de la donnée. Il y a le terme dataification qui a été introduit dans les dictionnaires aussi bien français qu'anglais, qui veut dire qu'on va avoir dans toute stratégie ou dans toute action un souci et une considération qui est relative à la donnée. Comment je peux collecter de la donnée, comment je peux la traiter, comment je peux la gérer dans le cadre d'un projet de quelque nature que ce soit. Et cette notion a beaucoup plus d'ampleur aujourd'hui au niveau étatique. C'est-à-dire quand on lance une stratégie sectorielle dans l'automobile ou dans l'agriculture, le fait d'avoir au noyau et au cœur de cette stratégie la notion de données est fondamental parce que ça permet d'avoir une vision plus claire sur ce qui se fait et ça permet d'aller plus loin en termes d'intelligence par rapport à ce qui se fait. Donc voilà, ça c'est un premier point qui est important et qui, à mon sens, est important à souligner. Donc encore une fois, quand on parle de données, il faut savoir que ça a beaucoup de, c'est-à-dire il y a beaucoup de sujets qui sont liés à ça. Bon, juste encore une fois, je rappelle quelques éléments qui expliquent un peu l'importance de la donnée aujourd'hui. Donc on parle de données aujourd'hui comme une nouvelle classe d'actifs économiques équivalent à la monnaie ou à l'or. Donc le New York Times, il y a eu un article sur le Times qui parle de ça. Donc c'est un nouvel actif économique qui a la même valeur, en tout cas qui a le même impact que la monnaie ou l'or. On parle aussi de l'information comme étant le futur pétrole ou le pétrole du 21e siècle. Et de l'analytique comme étant le moteur à combustion qui conduit ou qui transforme ce pétrole en énergie et donc en production. Donc, on dit aussi, et c'est très important, que en fait, la notion de big data, elle doit intégrer tous les processus de production. Et en fait, ce n'est pas juste une question annexe qui peut être gérée au niveau du SI ou de la partie SI, mais c'est un volet qui doit être transverse à l'ensemble de la chaîne de valeur à l'intérieur de l'entreprise et de comment on produit à tous les niveaux des éléments fondamentaux de la donnée et comment on agit dessus. Donc, voilà un peu ce que le terme Big Data, d'une certaine manière, peut avoir comme connotation dans le contexte d'aujourd'hui. Alors, il y a juste deux notions ou trois notions que je voulais ajouter dans cette slide aussi qui sont importantes. Bon, déjà, le terme Big Data est né vers la fin des années 90, donc autour de 97. Il a été popularisé à partir des années 2000. Et encore une fois, c'est d'abord un terme marketing. Donc, c'est une notion qui regroupe un certain nombre de technologies. Ce n'est pas une technologie en soi. Donc, c'est une sorte de un certain nombre de technologies qui permettent de gérer des données de plus en plus massives. Donc, ça, c'est la première précision. La deuxième précision, c'est que cette massification des données est une conséquence immédiate, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'émergence d'un certain nombre de technologies, donc le mobile en est un, les réseaux sociaux et le cloud, et de l'émergence d'un certain nombre de nouveaux paradigmes, notamment des paradigmes de type open data, c'est-à-dire l'État ou un certain nombre d'organismes qui publient de manière ouverte la donnée dont ils disposent. Et donc, l'ensemble des données qui sont générées par ce type de mécanismes vont faire en sorte qu'on arrive à un niveau de massification de la donnée qui peut justifier l'émergence de nouvelles technologies qui permettent de répondre à ces problématiques. Donc, quelques chiffres. Donc, ça, c'est juste un rappel des chiffres aujourd'hui qu'on a depuis. Plus de 700 milliards de minutes passées sur Facebook chaque mois, des exabytes de données qui sont reçues sur l'Internet mobile. Il y a plus de 72
plus de 20 heures de vidéos upload sur YouTube chaque minute. Il y a plus de 375 mégas octets de données consommées chaque jour par household. Encore une fois, c'est une moyenne mondiale. On peut même être à plus que ça, je pense. En termes de sources de données qu'on peut avoir avec toute la diversification aujourd'hui de justement des données, on a de tout. On a des bases de données. Ça, c'est les données classiques qui sont des données structurées. Il faut savoir qu'avant les bases de données relationnelles, on avait aussi ce qu'on appelait les bases de données hiérarchiques qui étaient les premières, on va dire, familles de bases de données. Donc, les bases de données relationnelles, c'est des bases de données qui sont constituées, comme je pense tout le monde le sait, de tables, d'enregistrements dans ces tables et de relations entre les différentes tables. D'ailleurs, d'où le terme relationnel, c'est-à-dire qu'il y a des relations qui se font entre les différentes tables qui composent un système une base de données ou un système de base de données. Il y a de plus en plus aussi de données de localisation. On commence, il y a de plus en plus de remontées de données de localisation. Des emails, donc l'entreprise reçoit des centaines, voire parfois des milliers d'emails par mois et donc elle doit les traiter. Il y a de plus en plus aussi de sensors, d'objets connectés qui permettent de remonter des informations des sensors, donc des détecteurs. Ça peut être de température, de chaleur, de rythme cardiaque, etc. Et donc, de plus en plus, on voit ça, mais aussi dans des domaines comme l'agriculture ou comme l'industrie. Il y a bien sûr les pages web qui sont aussi des sources de données. Il y a les réseaux sociaux qui sont aussi des sources importantes de données. Il y a aussi toutes les actions qui peuvent se faire dans un site web. Donc, par exemple, tout ce qui est clic, et donc le flux de clics, par exemple, dans un site, c'est aussi de l'information qui peut être, ou de la data qui peut être analysée et transformée en information. Quand on veut prendre ces sources et on veut essayer de les regrouper, de manière globale, on a quatre grands groupes. On a des sources de type média, typiquement c'est tout ce qui est contenu avancé, images, vidéos et audio. On a des sources de type social, donc c'est toutes les interactions, toutes les données qu'on peut sortir d'un réseau social. Il y a des sources de type machine, c'est tout ce qui peut remonter à partir de téléphone en termes de localisation ou à partir de IoT en termes de sensors. Et on a aussi tout ce qui est historique, donc toute la data qu'on peut avoir de manière historique, soit sur des comportements utilisateurs, soit sur de la météo, soit sur des visites dans un site web, etc. Associé à ces sources de données, il y a un certain nombre aujourd'hui de technologies qui font quelque part ou qui sont un peu le noyau, enfin les technologies qui tournent autour du big data. Bon, il y a des technologies qu'on avait peut-être déjà abordées comme Natural Language Processing. Donc ça, c'est l'analyse et la compréhension du sens ou de l'intelligence à partir d'un texte, à partir du langage. Donc ça permet par exemple d'analyser des emails ou d'analyser des sites web, du contenu de sites web ou d'analyser des commentaires sur les réseaux sociaux. Il y a la notion de crowdsourcing. Qui peut être aussi une technologie qui peut être utilisée, appliquée à la donnée. Quand on veut massifier de la donnée ou là, quand on veut capturer de la donnée dont on ne dispose pas, on peut utiliser des notions de crowdsourcing pour avoir de la donnée qui provient d'un certain nombre de sources, qui peuvent être des personnes, qui peuvent être rémunérées à la donnée qu'ils mettent à disposition. Donc, c'est ce qui est utilisé par exemple au niveau de Amazon par une solution qui s'appelle Mechanical Turk, par exemple, qui permet justement de outsourcer la donnée, la capture de données auprès d'un certain, soit la capture ou la notation de données auprès d'un certain nombre d'acteurs individuels qui se font rémunérer par rapport à ça. Il y a des notions aussi de time series. Bon, time series, c'est une notion qui est généralement utilisée aussi en économétrie. C'est en fait le fait de disposer d'un certain nombre de séries temporelles dans le temps et d'utiliser ça notamment pour faire de la prédiction, etc. Et il y a la notion de signal de traitement de signal qui est aujourd'hui de plus en plus utilisée et c'est aujourd'hui une tendance assez forte dans le domaine du big data. C'est quoi concrètement? C'est on utilise la logique de traitement de signal
qui existent depuis très longtemps dans le domaine des télécoms, on les applique dans le domaine du traitement de la donnée. Donc, juste peut-être rapidement, mais ce qui est important, c'est que quand on veut capturer, quand on a une donnée qui est massive, on ne peut pas traiter la totalité de la donnée. Et ça devient pratiquement à un certain moment très complexe de traiter la totalité de la donnée. Et donc là, il y a des questions d'échantillonnage qui peut être nécessaire pour pouvoir sortir des éléments particuliers et représentatifs de l'information qui est contenue dans cette donnée. Et cet échantillonnage, il peut suivre un certain nombre d'algorithmes ou de protocoles qui sont utilisés dans le traitement de signal. Donc, la même façon que quand on parle au téléphone, ce qui se passe, c'est que la voix en totalité n'est pas envoyée dans le réseau. Ce qui se fait, c'est qu'on prend des échantillons à des intervalles réguliers, et c'est ces échantillons qui sont envoyés vers le réseau, et après, ils sont reconstitués au niveau de la destination pour essayer de reconstruire la voix ou l'image, etc. Ben, les mêmes principes peuvent être utilisés dans la donnée pour justement réduire cet élément de massification de données dans des données qu'on peut. Pour comprendre un peu comment ça marche. Mais c'est des bases de données, on va dire, qui ne sont pas relationnelles. Donc, c'est des bases de données qui comportent des données plus ou moins non structurées. La notion de machine learning, là aussi, on a vu dans le cadre de l'intelligence artificielle, le machine learning, c'est une famille de technologies dans le domaine de l'intelligence artificielle qui, en fait, exécute quelque chose sans être programmé pour le faire. Et ce quelque chose, dans la plupart des cas, il se résume en deux types de learning ou d'apprentissage. Soit un apprentissage qui permet de faire de la classification, ou un apprentissage qui permet de faire de la prédiction ou de la régression. Ça, c'est les deux grandes familles. Après, bon, il y a aussi, quand on parle de machine learning non supervisé, on peut parler aussi de clustering, on peut parler d'autres types de technologies. Mais juste pour résumer, quand on parle de machine learning, on a deux objectifs. Soit un objectif très simple, je vais donner un exemple, c'est que j'ai les prix, par exemple, de l'immobilier dans une ville par mètre carré, et je vais essayer, et je n'ai pas l'information sur la totalité je veux dire, du métrage carré, et je veux prédire quel serait le prix par rapport à un mètre carré donné. Donc ça, c'est un exemple de type qui est basé sur de la régression, donc c'est de l'estimation ou de la prédiction. Et le deuxième type, c'est la classification. C'est, on veut classifier, on a des images et on veut dire, est-ce que ces images sont plutôt une voiture, un avion, un chat, un chien, etc. Donc ça, c'est de la classification. Bon, typiquement, c'est appliqué par exemple dans les spams. Quand un mail est reçu dans votre boîte mail, ce mail, il va être soit classé comme étant un mail normal ou un spam en fonction d'un algorithme qui dépend de la donnée, d'une donnée ancienne qui a été remplie par d'autres utilisateurs ou par vous-même. Et donc, elle va, sur la base de ça, va pouvoir prédire ou classifier est-ce que le mail doit être classé dans spam ou non spam. Donc, ça, c'est par rapport au sujet du machine learning. On va peut-être revenir par la suite aussi pour voir un peu plus. Alors, les algorithmes génétiques, ça aussi, c'est quelque chose qui devient de plus en plus important dans le domaine du big data. Et en fait, l'idée, c'est que c'est une façon d'explorer de la donnée et de faire de l'exploration dans des graphes basés sur une logique de sélection naturelle. Donc, ça se base sur une logique de sélection naturelle, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, en fonction de ce qu'on a fait dans le passé, on va essayer de choisir les bonnes branches pour ne pas explorer l'ensemble de l'arbre. Donc voilà, c'est l'idée en résumé, c'est qu'on utilise une logique de sélection naturelle. C'est comme dans la génétique, donc c'est pour ça qu'on appelle ça génétique algorithme, c'est comme dans la génétique, il y a une sélection naturelle, ou en tout cas dans la logique génétique, il y a une sélection naturelle qui fait que les gens les plus, on va dire, qui s'adaptent le plus ou les qui sont les plus sains, c'est eux qui vont rester. Donc c'est le même principe. C'est que dans une donnée massive, au lieu d'explorer la totalité, ce qu'on va essayer, c'est de faire de l'exploration, et au fur et à mesure, on va essayer de voir quel type d'exploration
sont les plus adaptées et nous permettent d'aller plus vite et d'aller vers le résultat final. Donc, en termes de catégories de données, encore une fois, il y a des données structurées. Donc, ça, typiquement, c'est les données, on va dire, qui proviennent soit de bases de données ou de sources structurées. Donc, ça peut être des données temporelles, des données de localisation ou des données de type des streams, etc. On peut avoir des données aussi non structurées qui peuvent provenir de différents types de sources, comme on peut avoir aussi des données semi-structurées qui peuvent provenir de sources plutôt, on va dire, moyennement structurées et qui nous permettent d'avoir un certain nombre de traitements. Donc le terme big data, donc c'est des données, c'est traduit en données massives. Donc en fait, comme on l'avait dit, les données deviennent de plus en plus volumineuses que les outils classiques, notamment les bases de données relationnelles, ne permettent plus de gérer ces flux de données. Bien sûr, dans cette logique, il y a aussi des challenges qui sont posés en termes de capture, de stockage, de recherche, de partage, d'analyse et de visualisation de données. Il y a des défis, bien sûr, qui ont commencé à se voir surtout sur la décennie à partir de 2010, notamment à cause de l'émergence des smartphones et des réseaux sociaux, et qui font aujourd'hui que c'est un sujet qui est en fait au centre d'un certain nombre de recherches qui se font actuellement dans le monde. On a aussi un taux de croissance en termes d'utilisation de ces technologies qui est importante. C'est un marché qui devrait atteindre plus de 23 milliards. Bon, ça, c'était des statistiques anciennes, donc en 2016. Et normalement, il devrait représenter plus de 8% du PIB européen en 2020. En tout cas, c'était les statistiques qui étaient prévues. Alors, quand on parle de big data, il y a généralement, on parle de ce qu'on appelle les 3 V. Donc, c'est ce qui était dans la définition initiale, ou en tout cas dans une définition qui était portée par Gartner au début des années 2000. Et de plus en plus maintenant, on parle de 5 V. Alors, c'est quoi ces V? Donc, les 3 V initiaux, c'était volume, variety et velocity. Alors, volume, c'est-à-dire qu'on est sur des volumes très importants de données, donc des terabytes, des transactions continues dans le temps, des fichiers, des tables volumineuses. On est sur de la variété, c'est-à-dire que le type de données, il peut être très varié. Donc, on peut avoir des données structurées, on peut avoir des données non structurées, on peut avoir des données multifactorielles, on peut avoir des données probabilistiques. Et la vélocité, c'est-à-dire que on est sur une évolution ou un flux de données qui est de plus en plus important. Et c'est-à-dire qu'il y a des processus qui génèrent en temps réel de nouveaux données, et donc ces données, elles bougent. Les données, elles bougent, et elles bougent à une vitesse très rapide, et donc ça fait que ça pose des problématiques aussi en termes de traitement. Et donc, on a ajouté à ces 3 V, 2 V enfin, récemment, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, qui sont la véracité et la valeur. Alors, la véracité, parce que dans les sources de données qu'on peut avoir, on peut avoir des niveaux de confiance qu'on peut mettre dans ces sources. On peut avoir par exemple des données qui proviennent de sites fiables et d'autres qui proviennent de sites non fiables. On peut avoir des données qui proviennent des réseaux sociaux et des données qui proviennent de données structurées. Et le niveau de véracité de ces données n'est pas le même. Alors, bien sûr, il y a des notions d'authenticité, d'origine, de réputation, de disponibilité et d'accountability au sens, c'est-à-dire est-ce que ces données, est-ce qu'elles sont, on va dire, vérifiées au sens éthique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une logique d'accountability associée à ça. La valeur aussi est devenue aussi importante. Est-ce qu'on parle de données statistiques? Est-ce qu'on parle de corrélation? Est-ce qu'il y a des corrélations associées à ces données? Et est-ce qu'on parle de données réelles ou de données hypothétiques? Donc, ça aussi, c'est important dans la définition. Alors, juste un peu, on va juste revenir au terme NoSQL, juste pour encore une fois cadrer un point qui est important. Je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre ou pas. Allô? Allô? Oui, on est là, on t'entend parfaitement, oui. Très, très bien. Pardon. Donc, juste pour la partie NoSQL, donc comme j'ai dit, historiquement, il y avait d'abord des données qui étaient des données
structurées. Donc, ces données structurées, donc, ils ont passé par plusieurs phases en fonction des capacités de traitement des ordinateurs. Donc, on avait d'abord des données plutôt hiérarchiques au début. Donc, c'est comme ça que, on va dire, dans les années 60, 70, les données étaient structurées. Puis, on a commencé à parler de données structurées basées sur des bases de données relationnelles à partir des années 80. Et donc, quand on parle de SQL, le terme SQL, c'est un terme qui renvoie. SQL veut dire Structured Query Language. C'est un langage structuré de requêtage. Et c'est un langage qui est utilisé généralement pour sortir de l'information à partir de bases de données relationnelles. Dans toutes les bases de données relationnelles, vous allez probablement trouver le terme SQL qui va se répéter. Donc, vous connaissez certainement des SQL Server, qui est la base de données relationnelle qui vient avec Microsoft, ou MySQL, qui est la base de données open source la plus utilisée, ou d'autres types de bases de données relationnelles. Donc, une base de données relationnelle, elle est composée de manière standard de quoi? Donc, elle est composée de tables, et dans chaque table, il y a des enregistrements. Et donc, typiquement, les enregistrements, ils respectent une certaine logique, c'est-à-dire que c'est des lignes, et dans ces lignes, il va y avoir un certain nombre de champs qui devraient être renseignés. Donc, c'est ce que vous allez trouver aujourd'hui dans toutes les bases de données relationnelles. Donc, typiquement, c'est le contenu que vous allez aussi pouvoir récupérer sur Excel. Alors, quand on a commencé à avoir les problèmes justement d'abord de non-structure des données d'un côté et de massification des données de l'autre, cette problématique de structure commençait à poser problème. D'abord, parce qu'on pouvait avoir des tables qui n'avaient aucune relation les unes avec les autres, ou pour ne pas parler de tables, des unités de données qui n'avaient aucune relation les unes avec les autres. Et deuxièmement, dans chaque unité, dans chaque table, on pouvait avoir des données, des enregistrements qui n'ont pas la même structure ou sur lesquels on n'a pas en totalité toute la donnée. Donc, si par exemple, je vais prendre un exemple, un client, il devait avoir absolument les champs 1, 2, 3, 4, 5, dans des données non structurées, le client peut avoir uniquement deux champs parce qu'on a que ces deux informations qui ont été remontées, ou trois, ou quatre, etc. Donc, en fait, on passe d'abord de la logique de table et d'enregistrement à des notions qui sont, on va dire, différentes, qui sont les notions qui sont d'abord des notions de collection. Donc, la table, elle devient plutôt le terme qui est utilisé est plutôt la notion de collection. Et en fait, ce qu'on met à l'intérieur de la table, ce qu'on appelait avant des enregistrements, ça devient, on va dire, beaucoup plus ouvert et beaucoup moins concentré. Bon, on peut prendre un exemple très simple, comment on peut construire une base de données non relationnelle, c'est l'exemple clé valeur. Donc, typiquement, au lieu d'avoir des notions d'enregistrement, on va avoir des clés valeurs. Les clés valeurs, c'est-à-dire que je vais avoir par exemple nom avec le nom de la personne, prénom de la personne, etc. Et je construis une sorte de données ou une collection de données avec des clés et des valeurs. On peut avoir aussi dans des bases de données de type NoSQL, des données qui sont des données basées sur des graphes. Donc, contrairement à la notion de relationnel, on était sur des schémas simples de relations entre les différentes tables. Donc, c'est des schémas de type 1-1 ou 1-n. Dans une logique de graphe, on est plutôt sur une arborescence de relations. Et cette arborescence n'a pas forcément de début ou de fin. Donc, transformer en des graphes et sur la base de traitement. C'est ce qui est utilisé. Bien sûr, il y a des frameworks d'architecture Big Data qui ont commencé à être proposés au niveau du marché. Un des frameworks les plus connus et les plus utilisés, c'est le framework Hadoop, qui est un framework Apache qui comprend un certain nombre d'outils. Il y a aussi des frameworks comme ceux de Google, par exemple, qui sont proposés. Maintenant, pratiquement tous les providers cloud, ils proposent leur propre framework. Donc, vous avez trouvé un framework chez Azure, un autre de Microsoft, un autre chez IBM et un autre chez Amazon. Donc, bien sûr, avec ces systèmes, ce qui va se passer, c'est que on n'est plus dans la logique relationnelle. Donc, ce qui va se faire, c'est que les requêtes vont être séparées et distribuées sur des nœuds parallélisés et peuvent être exécutées en parallèle sous forme de map.
et après, en fait, l'ensemble des résultats vont être rassemblés et récupérés. Et donc, aide les deux process. C'est un premier process qui est le process de map et le deuxième process qui est le process de reduce. C'est les deux process de base dans le fonctionnement d'un système de requêtage en big data. En résumé, pour ne pas rentrer dans le détail technique, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'à partir du moment où les données sont non structurées, on va essayer d'une certaine manière de les séparer, de faire en sorte qu'il y ait des traitements qui se font en parallèle sur ces différents types de données. Et par la suite, on fait du regroupement des résultats qui sont obtenus par ces requêtes pour pouvoir derrière les afficher. Alors après, on utilise aussi des modèles statistiques pour pouvoir, bien sûr, extraire de l'information ou de la connaissance à partir de la donnée de base. Donc, on peut avoir une donnée qui n'est pas complète et à partir de là, avec de la statistique, on peut faire de la prédiction. Donc, encore une fois, ça revient à des choses que certainement vous connaissez, donc qui sont de l'ordre par exemple, de la régression ou d'autres types d'algorithmes de prédiction. On va voir tout à l'heure la différence d'ailleurs entre le BI et le Big Data, enfin la partie Business Analytics et le Big Data. Bon, bien sûr, une fois ce travail est fait, il y a un travail aussi d'optimisation et un travail de restitution qui est nécessaire par la suite. Alors la différence principale entre BI et Big Data, bon, il y a un certain nombre de différences, mais il y a une différence qui est fondamentale, c'est que le BI, il est dans les statistiques descriptives. Donc dans le BI, en fait, on ne génère pas des statistiques. Ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait que sortir de la donnée existante des statistiques qui décrivent ces données. Dans le Big Data, on est plutôt dans les statistiques inférentielles. Donc, on se base sur ce qu'on a et on crée des inférences pour pouvoir sortir de nouvelles informations. Bien sûr, il y a aussi des différences en termes de nature de fonctionnement. Le BI, il est uniquement au sein de l'entreprise, alors que le Big Data, il est transverse. Il peut se créer autour d'un écosystème, autour de l'entreprise. Il y a le volume qui est différent. Il y a la densité de l'information qui est différente. Et bien sûr, il y a aussi la logique de comment on sort les mesures et les indicateurs d'un côté et de l'autre côté, comment on sort les tendances et les prédictions quand on parle de Big Data. Alors, ça, c'est on va dire, une sorte de panorama des sociétés qui opèrent dans le domaine du Big Data. Bon, je ne vais pas m'attarder dessus, mais bon, il y a des noms que certainement vous avez peut-être entendus, d'autres moins. Mais par exemple, dans la partie Analytics, vous allez trouver de toute façon des choses comme les outils existants de BI comme Talend ou Penta, où vous allez trouver des technologies propres justement au Big Data, qui sont soit sur les aspects requêtage, sur les aspects visualisation ou autres, etc. Donc, en termes de chaîne de traitement, donc il y a bien sûr le point d'abord initial, c'est l'acquisition. Il faut qu'on puisse acquérir de la donnée. Donc, quand on dit acquérir de la donnée, c'est-à-dire qu'il y a de l'acquisition qui se fait en direct et de l'acquisition qui se fait en indirect. Donc, des choses que nous, on construit dans notre système d'information et des choses qu'on acquiert ailleurs. Il y a la question du stockage. Donc, une fois on a acquis ces données, quelle que soit leur source, on doit les stocker. Après, une fois ces données sont stockées, on doit pouvoir exécuter des requêtes sur ces données. Donc, il y a une question de requêtage. Bien sûr, le requêtage lui-même peut aussi se faire directement à partir de l'acquisition. Ça, c'est aussi un schéma qui est possible. Une fois le requêtage est fait, il y a de l'analyse qui permet de sortir à partir de ces requêtes un certain nombre d'éléments ou de critères. Et après, il y a la restitution qui permet de visualiser l'ensemble de ces éléments sous forme de tableau de bord ou de statistiques claires et utilisables. Alors là, il y a quelques outils qui sont utilisés dans chacune des catégories on va dire, des étapes dans la chaîne de valeur. Donc sur l'acquisition, il y a des outils comme Apache Storm ou Apache Kafka qui sont utilisés. Sur le requêtage, donc on a des technologies là aussi de Apache et de Cloudera qui sont très, très en vogue, donc notamment Apache Hive ou Apache Pig. Sur le stockage, donc là aussi, il y a différents types de technologies qui permettent de stocker de la donnée, on va dire, massive. Et donc, un des outils qu'on utilise le plus souvent, c'est Redis, par exemple, ou la Cassandra. Sur la partie analyse, donc on a un certain nombre d'outils comme Apache Mahout. Donc là, on reste sur
l'architecture de type Hadoop. C'est pour ça que bon, là, la plupart, vous allez trouver qu'on utilise Apache parce que c'est une des architectures les plus connues et étant open source aussi les plus utilisées. Dans la restitution, bon, on utilise des outils standards de business intelligence, donc Talend ou Pentaho, Tableau ou software, enfin, Tableau par exemple qui est utilisé ou QuickView qui peut être utilisé dans la restitution. Pour l'ordonnancement et l'industrialisation, donc il y a des outils comme Zookeeper de Apache ou Mesos aussi. Alors là, en fait, bon, ça c'était juste une explication. Donc on avait déjà peut-être amorcé ça quand on a parlé de base de données NoSQL. C'est juste une explication des types ou des catégories qu'on peut avoir dans une base de données non relationnelle. Donc on peut avoir des clés valeurs, comme on avait dit. On peut avoir des documents, donc des documents construits. On peut avoir des colonnes, donc un peu plus proches de la logique de base de données classique, mais sauf que, encore une fois, il n'y a pas d'obligation à ce que toutes les colonnes soient remplies. Et il y a la logique aussi de graphes. Et donc, on a de plus en plus aussi des tendances sur des bases de données graphes, comme GraphQL, etc. Là, c'est encore une fois ces éléments qui sont décrits avec derrière quel type de base de données sont les plus adaptées dans chaque cas. Donc, quand on est sur des éléments documentaires, donc des bases de données type MongoDB sont très très utilisé. Quand on est sur du graphe, donc des technologies comme Neo4j ou Dex sont utilisées. Quand on est dans un schéma de colonne, c'est plutôt Cassandra qui est le plus adapté. Et quand on est sur des clés valeurs, c'est plutôt par exemple Redis qui est le plus utilisé. Alors ça, c'est un exemple de distribution Hadoop qui reprend en fait un certain nombre de couches. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais s'il y a des questions, je peux y revenir. Alors juste dans les notions. Juste une petite distinction entre ce qu'on appelle machine learning et data mining. Donc, le machine learning, il s'intéresse à la prédiction. Et donc, on est dans une logique d'apprentissage basée sur des propriétés apprises à partir d'un certain nombre de données. Le data mining, il est plutôt concentré sur la découverte de nouvelles propriétés par rapport à une donnée passée. Donc, quand on est dans le data mining, l'objectif, c'est de créer d'une certaine manière du sens à partir de données historiques. Quand on est dans le machine learning, on est dans une logique de prédiction du futur sur la base des données passées. Alors, ça, c'est juste un exemple d'algorithme, par exemple, quand on fait du machine learning. L'objectif, c'est de détecter des objets, donc ça peut être des avions, des automobiles, etc. Et donc, l'idée, en résumé, c'est qu'en donnant des masses de données importantes avec des photos de différents types d'objets, existants, on peut, avec du machine learning, on peut faire une classification simple en disant dans telle image, c'est plutôt un avion, une voiture, un oiseau, un chat, etc. Ce type d'algorithme, par exemple, c'est ce qui est utilisé notamment dans les systèmes de voitures autonomes aujourd'hui qui existent dans le marché pour pouvoir détecter des voitures, détecter des passants, etc. Alors, ça, c'est un exemple aussi de classification qui peut se faire dans le cadre de la météo. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir en fait prédire quand est-ce qu'on joue en faisant une hypothèse. Donc là, on a ajouté un niveau de complexité, on a de la donnée, on ajoute une hypothèse qui est de dire on ne joue que quand il est ensoleillé. Et donc, à partir de là, on peut essayer de construire donc du sens à partir de la donnée qui a été saisie. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ces exemples. Donc, ça, c'est juste un exemple de comment, par exemple, ça, c'est un exemple sur des données de LinkedIn. C'est une sorte de map qui regroupe plus ou moins on va dire les différentes connaissances et employées dans le cadre d'un réseau comme LinkedIn. Et avec les liens entre eux, et donc c'est une représentation. Typiquement, à partir d'une représentation de ce type, on peut commencer à faire des inférences. Donc là, c'est typiquement du machine learning qui peut être utilisé notamment pour sortir du sens de cette donnée. On peut faire des inférences en termes de, par exemple très simple, probabilité qu'un employé quitte une entreprise. Et ça peut se faire sur la base d'un historique de relations et d'un historique d'actions qui ont été effectuées ou là, qui ont été constatées sur les réseaux sociaux en fonction de son profil, en fonction de son expertise, en fonction de l'historique de personnes de même catégorie, on peut faire des inférences.
Alors, les applications de la big data, et je vais terminer sur ça, je pense que on a encore peut-être 10 à 15 minutes, mais je vais terminer sur ces deux slides. Donc, le big data a des applications dans la finance, notamment sur tout ce qui est détection de fraude. Là, en fait, l'idée, c'est que on va détecter des patterns suspects d'utilisation, par exemple de cartes de crédit ou l'utilisation d'un outil de e-banking, etc. Et à partir de là, on peut faire de la détection de fraude. Alors, quand je dis pattern, bon, ça c'est un exemple très simple, mais on peut aller dans des cas très simples comme on peut aller dans des cas complexes. Les cas simples, c'est combien de fois la personne se trompe sur un mot de passe, combien de fois il va exécuter une action, quel est le montant qu'il va faire sur les différentes transactions qu'il va effectuer en ligne ou là à partir d'une carte. Et à partir de là, on peut faire des systèmes qui, de manière automatique, vont pouvoir détecter qu'il y a des comportements qui sont frauduleux ou pas. Bien sûr, ça peut être aussi utilisé dans l'innovation produit. On peut aussi utiliser le big data pour essayer de proposer de nouveaux produits basés sur les informations qu'on a sur les clients. En essayant de construire à partir de ces données de l'information qui permet de faire des propositions de produits. Ça peut se faire aussi dans le cadre de segmentation client. On peut faire de la classification client. Donc, le profiling client, par exemple, peut se faire sur la base d'analyse big data sur un historique de comportement client. Et à partir de là, on peut commencer à avoir une sorte de cartographie des segments clients qu'on a dans notre base. Ça peut être, par exemple, pour un produit e-commerce ou là, ça peut être pour un service en ligne, etc. La gestion de risque, donc là aussi, c'est un champ qui est énormément exploré dans le big data. Ça peut être utilisé, par exemple, si je prends le cas des clients dans la partie crédit, ça peut être utilisé dans les niveaux de transactions autorisées, etc. Donc, il y a un certain nombre de champs d'application qui peuvent être utilisés aussi dans la gestion de risque. Et on peut bien sûr aussi l'utiliser dans une logique de prédiction de comportement futur, donc prédiction typiquement de comportement d'achat, donc de chiffre d'affaires, ou de comportement de volume d'affaires réalisé avec un client. Pour les entreprises, là, on est dans un cas plus général. Donc, ça peut être appliqué de la même façon d'ailleurs qu'on avait évoqué dans la transformation digitale, mais avec un volet, on va dire, un peu plus centré sur l'intelligence que sur les autres volets. Ça peut s'appliquer dans l'innovation, ça peut s'appliquer dans l'intelligence économique, dans la veille concurrentielle. Ça peut être aussi appliqué dans l'excellence opérationnelle, dans la gestion, la maîtrise de coûts, comme aussi dans la performance commerciale. Donc voilà, je vais m'arrêter là et s'il y a des questions, n'hésitez pas. Excellent, merci beaucoup, César. C'est comme d'habitude, c'est très instructif, très informatif. Moi, de mon côté, je retiens deux petites choses. C'est données, c'est l'actif économique aujourd'hui, donc c'est le nouveau pétrole. Et le big data, c'est la technologie, c'est le moyen pour utiliser, pour exploiter ce nouveau gisement, si on peut dire, peut-être de la croissance aussi. Moi, une petite question. Moi, je sais que toi, tu as un rendez-vous à 17h, tu dois nous quitter à 17h. Je ne sais pas s'il y a une question, en attendant d'avoir les questions des participants. Moi, j'ai envie de te demander par rapport à ton expérience sur le terrain au niveau Maroc. Je sais que tu accompagnes pas mal de projets, pas mal de startups, tu as au croisement de plusieurs activités, même au niveau de l'enseignement. Quels sont j'ai envie de dire, retours d'expérience par rapport à des applications entrepreneuriales ici sur le terrain, au Maroc? Merci Mohamed pour cette question. Très bien. Encore une fois, j'ai pas eu le temps réellement de rentrer dans les use cases, mais aujourd'hui au Maroc, en fait, d'abord dans le domaine financier, il faut savoir que c'est déjà dans deux domaines aujourd'hui le big data, il est massivement utilisé au Maroc, dans les telcos, chez les opérateurs télécoms et chez le secteur financier de manière générale, les banques, mais aussi les assurances. Donc, c'est utilisé de manière aujourd'hui très importante dans tout ce qui est profiling client. Donc, ça, c'est aujourd'hui un des sujets importants pour pas mal de banques, c'est en ayant toutes les données dont ils disposent, comment ils peuvent mieux profiler le client et leur proposer des solutions adaptées. Ça, c'est un vrai sujet qui est posé chez ces deux secteurs. Et le deuxième sujet qui est aussi énormément posé, c'est le sujet de la fraude et de la gestion de risque.
Donc, c'est aussi des sujets sur lesquels aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui sont en train d'être faits. Chez les opérateurs télécoms, toute la partie revenu assurance aussi est énormément consommatrice de big data. Donc, sur pas mal de missions d'ailleurs que j'ai eu à faire, c'est les deux sujets qui reviennent très souvent. Donc, c'est profiling client. Alors, l'objectif du profiling client, pour être clair, c'est sortir du sens de la donnée qu'on a sur les clients et pouvoir lui proposer de meilleurs produits et pouvoir faire du cross-sell ou du upsell. Et deuxième niveau, c'est effectivement tout ce qui est gestion des revenus, des risques et de la fraude. Alors, juste un exemple, on a fait ça, par exemple, pour donner un exemple très concret, avec des gens comme la DGI, qui travaille beaucoup avec des outils Big Data. Aujourd'hui, c'est ce qu'ils utilisent aussi dans le croisement des données entre les différents contribuables. Par exemple, quand ils ont fait dernièrement les contrôles auprès des professions libérales, notamment les médecins, etc., ben c'était en partie aussi, ils ont utilisé énormément de big data. Et quand je dis big data, c'est-à-dire qu'ils font beaucoup de croisements entre des données qui viennent des réseaux sociaux, de l'historique du contribuable, de l'historique des autres contribuables de même catégorie, etc. C'est quelque chose aussi qui a été utilisé dans la détection de fraude par la douane, donc c'est actuellement en cours. Donc, ils sont en train de travailler aussi sur le même sujet pour faire de la détection de fraude en utilisant du machine learning et du big data par rapport à la donnée historique qu'ils ont. Pour les startups, aujourd'hui, il y a. Alors, déjà, il y a des cas d'usage, sans parler de startups, mais il y a des cas d'usage aujourd'hui qui sont importants dans le contexte de la crise. Donc, aujourd'hui, tout ce qui se fait en termes de prédiction, etc. Il y a les cas, c'est un mélange entre big data et intelligence artificielle. Donc, tout ce qui est prédiction du nombre de cas, de l'évolution de. Vous avez vu, par exemple, il y a eu un modèle, par exemple, un modèle qui s'appelle CIR, qui a été appliqué au contexte du Maroc, qui a permis de prédire que à horizon, je pense, fin juillet, que l'épidémie va être, la pandémie va être éradiquée. Donc, ça utilise des technologies, justement, de big data. Donc, en résumé, on a des données historiques, on a des données par pays, on injecte ça dans des bases de données non relationnelles, et au-dessus de ça, on met des algorithmes de type machine learning pour pouvoir justement sortir du sens. Alors, dans les startups, aujourd'hui, il y a un usage qui commence à se voir dans les startups e-commerce. Donc, tous les gens qui sont sur le e-commerce savent qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir faire du big data sur la base client est très utile parce que ça permet en temps réel ou en tout cas dans des délais très courts de créer du sens et de faire évoluer son produit, sa proposition de valeur, son prix, etc. en fonction de ces données. Et dans les startups, c'est encore plus marquant parce que, en fait, elles n'ont pas d'actifs. Donc, le seul actif qu'elles peuvent avoir, c'est justement la donnée dont elles disposent ou qu'elles peuvent générer et créer. Donc, en tout cas, au Maroc, les cas que j'ai vus, les cas d'usage, sont plutôt des cas de l'e-commerce. Bon, après, on peut discuter est-ce qu'on peut considérer ça comme start-up ou pas, mais ça, c'est une autre discussion. Mais disons, à Douma, les cas d'usage, donc, dans les grands groupes aujourd'hui, c'est là où on a un vrai enjeu de massification des données. On utilise beaucoup ça dans la gestion, la personnalisation et la segmentation des clients et dans la gestion de la fraude et de risques. Excellent, super. Merci beaucoup, Zoé. Merci. Mais écoutez, il y avait une question qui était dans le même sens. Alors, il disait, c'est de la joie. Merci au niveau. Alors, merci. Au niveau des entreprises, est-ce que c'est opérationnel, gestion big data? Je crois que c'était plus ou moins la même question à laquelle tu viens de répondre. C'est opérationnel encore une fois chez un certain nombre de grands groupes. Donc aujourd'hui, pratiquement tous les trois opérateurs télécoms, les banques de la place en majorité, les assurances, en tout cas les grandes assurances, ils ont déjà des systèmes big data qui sont déjà en place, qui sont opérationnels et qui permettent de faire des choses. Maintenant, la chose auquel il faut faire attention, c'est que des fois, il y a tout un travail sur la gouvernance de la donnée qui est important parce que, alors dans certains cas, les données parfois ne sont pas c'est-à-dire ne sont pas regroupés dans un seul socle de données. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, il y a certains qui n'arrivent pas à le faire, ou en tout cas qui prennent beaucoup de temps pour le faire.
C'est pour ça qu'on est vraiment au début de ce qui, des usages. C'est-à-dire que si vous prenez par exemple une banque, c'est très difficile aujourd'hui de faire du cross-sell entre différentes sous-structures de la banque. Donc il y a du big data qui se fait, mais il se fait à l'intérieur de la banque de détail, par exemple. Mais est-ce qu'on mélange, ou à quel niveau on mélange les données qui viennent de la banque de détail, de la banque assurance, de la banque d'investissement? Ça, c'est pas sûr. Donc, ça demande beaucoup de travail sur justement comment le flux de données est géré et comment les données peuvent être regroupées pour être traitées. Mais disons, un des L'organisation cas d'usage. globale, quoi. Oui, pardon. C'est l'organisation globale de la banque, comment elle fonctionne. C'est ça ce qui limiterait aussi l'utilisation de ces données, j'imagine. Exactement. En fait, il y a une question d'organisation et une question aussi d'architecture SI, parce que des fois, en fait, les architectures sont tellement hybrides et complexes qu'on n'arrive pas à récupérer les bonnes données là où elles se trouvent. Et donc, on n'a pas forcément un sens. Et c'est le même cas d'ailleurs qu'on a remarqué chez les opérateurs télécoms, parce que là aussi, même si c'est la même structure sur le plan juridique, mais des fois, en fait, il y a tellement. Encore une fois, donc, il y a d'abord une question de complexité au niveau architecture pour pouvoir regrouper toutes ces données. Il y a un deuxième niveau de complexité, c'est quelle est la qualité de cette donnée, parce qu'il y a un vrai travail aussi sur la qualité de la donnée. On s'est rendu compte dans certains cas qu'on a des données qui ne sont pas, on va dire, de qualité. Je prends le cas des assurances. Les assurances, enfin, je ne vais pas prendre les assurances de manière générale, mais je vais prendre les organismes de prévoyance publique. Il y a de la donnée, mais sauf que la donnée, en fait, elle n'a pas été. Par exemple, je vais prendre les dossiers de maladie. Les dossiers de maladie existent, mais sauf qu'ils sont scannés et il n'y a pas la donnée détaillée qui a été, on va dire, informatisée et digitalisée, numérisée. Donc, ça pose un problème parce que tu ne peux pas. Si tu veux, par exemple, prendre un exemple, tu veux optimiser, ou là, tu veux trouver les traitements optimaux par type de maladie, par exemple. Ça, c'est un exemple de besoin qu'on peut avoir en big data. Je vais prendre toutes les données que j'ai en termes d'historique de dossier de maladie et je vais dire, par exemple, pour une maladie de tel type, voilà le traitement optimal. Moi, en tant qu'assurance, je vais chercher ce traitement optimal. Voilà le traitement optimal qui peut être recommandé. Je veux faire la détection de fraude. Est-ce qu'il y a eu des dossiers de maladie qui ont été déposés? C'est valable aussi pour, par exemple, les dossiers des accidents. Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a plus de 20% de fraude qui se fait sur les accidents, sur l'assurance automobile. Mais justement, pour détecter ça, la problématique, c'est qu'il faut qu'il y ait comment on appelle ça, le constat qui est remonté, qui est numérisé. Sauf que quand on rentre dans le détail, on se rend compte que la donnée détaillée du constat n'est pas numérisée. Et donc, pour pouvoir détecter de la fraude, il faut avoir ce type de préalable. C'est pour ça que dans un certain nombre de cas au Maroc, on constate qu'il y a un mélange de big data qui peut se faire sur des volets plutôt marketing, en utilisant les réseaux sociaux et la base de données interne de l'entreprise. Mais il y a aussi beaucoup de travail qui se fait sur la qualification et la qualité de la donnée qui se fait en parallèle. Excellent, super, merci beaucoup Zéril. Ben, écoute, je ne vois pas d'autres questions. Là, je me répète, je sais que toi, tu as un rendez-vous là à 17 h qui doit démarrer. Désolé, mais je suis vraiment désolé pour la Il contrainte, n'y a mais pas de malheureusement, souci. il y a Ben, d'autres. écoute, merci beaucoup Zéril pour nous avoir consacré ce temps-là. Vraiment, c'est très intéressant, très important. On se dit un prochain rendez-vous, Inch'Allah, peut-être la semaine prochaine ou peut-être une autre fois. Inch'Allah. Merci pour les Merci. Merci. participants, merci à Zouel et bonne continuation. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.